Actualité en rappel, Emmanuel Issozengonde, le Premier ministre chef du gouvernement, a présenté hier à son cabinet sa feuille de route dénonçant ses priorités pour les 100 prochains jours. Je vous en propose un extrait. Mesdames et Messieurs, la mise en place du nouveau gouvernement est intervenue dans un contexte économique difficile, marqué notamment par le ralentissement de la croissance du PIB, la hausse du déficit du compte courant et celle constante de la dette, la stagnation des investissements directs étrangers et la diminution significative des ressources budgétaires. Dans ce contexte, le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de faire montre d'efficacité, d'innovation et de créativité pour apporter des réponses appropriées aux difficultés économiques et partant aux aspirations fondamentales des populations. Le gouvernement est ainsi invité à développer en toutes circonstances, à travers la mise en œuvre du PSGE, une stratégie économique du progrès pour renforcer la confiance des opérateurs économiques nationaux et des partenaires extérieurs dans l'action publique.